Margot Collard, je suis chargée de communication pour l'ONICEP. On a un stand sur le Mondial des métiers car on est un office national d'information sur les métiers et les formations. Donc on a une double tutelle, tutelle du ministère de l'Éducation nationale et tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc on recense toute l'offre de formation en France et on a pour mission de diffuser l'information sur cette formation et sur les métiers auprès de différents publics, publics scolaires, mais également les jeunes en réorientation, les personnes en recherche d'emploi. Enfin voilà, on a pour rôle d'informer vraiment sur les métiers et les formations en France. L'ONICEP, son côté service public est essentiel parce qu'on a vraiment service public et local et intégré au niveau local permet d'être un gage de neutralité par rapport à l'information qu'on diffuse. On n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, si ce n'est de donner l'information la plus complète et la plus égale pour l'ensemble des personnes. Alors c'est assez varié, ça va être en fonction du niveau scolaire de la personne, de savoir quelle formation il va pouvoir envisager par la suite, en fonction d'un secteur professionnel, des personnes qui ont parfois une idée précise sur un secteur mais qui ont du mal à se représenter les différents métiers qui peuvent exister. On va avoir différentes informations à la fois sur des supports papier, sur des supports numériques. On va avoir des vidéos, on va avoir un certain nombre d'éléments comme ça pour informer vraiment sur l'ensemble de ces possibilités à un public varié au niveau local et au niveau national. Alors, il va y avoir différentes possibilités. Vous pouvez retrouver les documents de l'ONICEP au sein des CIO, les centres d'information et d'orientation. Également dans les établissements scolaires, la plupart des établissements scolaires ont les documents au sein des CDI. Et on a également un site internet, onicep.fr, et un site dédié à la réponse aux questions, qui est le service Mon Orientation en ligne. Merci. Je vous en prie.